dans mon pays littéraire. Ça, je ne peux pas dire encore tant que je n'ai pas recruté par une bourse qui reste un rêve dans l'ancien. Cher Rodolphe, Rodolphe Henri, on va vous le dire très fort. Applaudissements. Rodolphe a gagné dans sa carrière 5 étapes du mouvement des petits bretons. Il s'est permis, sur un mouvement des petits bretons, parce que c'est un petit peu d'histoire, de battre certains Pérez. L'année suivante, Pérez gagne l'étape sur le Tour de France. Ça, c'est pour dire qu'il a tout gagné du classique breton, sauf une. Il n'a pas gagné en jeu de l'équipe. Deuxième. Action, c'est pas gagné. Voilà. Revenons, mon cher Rodolphe, vous êtes. C'est Marie, Ludovic Wolfe, qui fait partie de la France qui va pas jouer. Mais quand il combat, il se retient un petit peu la chaîne. Saldo, c'est pas si mal. Regarde. Qui est dans la maison, bien installé. On dit quelquefois que vous avez un cochon, hein, un cochon dans la maison. Quand il est trop vulgaire, trop gentil, on vous suit certaines. Il est là dans une poche, donc moi-même, j'ai l'accent, bien sûr, sachant qu'il est régulièrement donc au Breton de l'équipe de France. Il a eu la gentillesse de nous écrire un petit mot que je vous dis, puis j'attends le livre pour cette fois-ci. Donc voilà, maintenant pas venu ce soir, il était l'année dernière, mais c'est vrai que nous avons donc transmis son maillot de champion de France. Comme revenu, changement de cas, changement pour celui qui adore également à Château-Sanguier. Revenons à lui, Maxime, le Château-Sanguier, comment la chasse maintenant? Ah, on fait la chasse, c'est pas le maillot, on vient faire par la télévision. Qu'on vient faire, ça veut dire bon. L'envie, l'appétit est revenu. Oui, c'est revenu, et vous direz pas tout dans les chaussettes. Et je vais essayer de faire un maximum pour mon équipe.